Bonjour à toutes et tous, je suis Seb Jeancoux et voici La Voix du Berserker, le nouvel épisode d'Au-delà, Ciel et Enfer, ma fiction sonore fantastique. Merci beaucoup pour votre fidélité, vous le savez peut-être déjà, mais nous enregistrons notre histoire à distance, sur le net. Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à ces séances depuis chez vous. Pour cela, il vous suffit de me contacter grâce à notre page Facebook. Les amis, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Marie de Holm, je joue Gloire de La Rochelle. Bonjour, je joue Paul Keller, je suis Philippe Aufort. Bonjour, je suis Eric Pfaff, votre narrateur. Hello, je suis Élise Cancès. Aujourd'hui, je joue une intelligence artificielle. Salut, je suis Didier Roy. Pour cet épisode, je suis un hacker. Si vous aimez notre podcast, merci d'en parler à vos amis. Et, s'il vous plaît, écrivez-nous une critique et donnez-nous plein d'étoiles. Cela ne vous prendra qu'un instant et vous nous aiderez beaucoup. Paul se réveille en sursaut. Il est percuté de douleur. Il saigne du nez. À ses côtés, figé tel une statue de cire, Gloire grimace lentement en marmonnant. Dieu vaincu deviendra Satan. Satan vainqueur deviendra Dieu. Paul se dresse et se penche sur Gloire. Il lui effleure le bras du bout des doigts. Elle est glacée. Il sent comme une légère tension électrique au contact de la peau de l'ange. Gloire! Gloire, Gloire de La Rochelle, réveille-toi, tu me fais peur. Il la prend par les épaules et la secoue énergiquement. Elle ouvre brusquement les yeux. Les flammes de l'enfer y brûlent. Éloigne-toi, mortel, ne me touche pas, nul ne touche Lucifer. Oh merde. Ton temps est compté, Keller. Ta petite Gloire est ma marionnette. Elle sera morte dans 24 heures. Mon contrôle la consomme. Salope, libère-la! Elle est à moi! Si tu veux la sauver, trouve ma prison et libère-moi! Gloire se lève et commence à gesticuler comme si un marionnettiste se familiarisait avec un nouveau personnage. Paul lui laisse de la place et recule, effrayé par la pantomime. Progressivement, les gestes de Gloire se font plus assurés et plus rapides. Elle enchaîne maintenant des mouvements de combat qui feraient pâlir d'envie un maître de jiu-jitsu brésilien. Il devient évident, pour Paul, que même si le corps de Gloire n'est presque pas altéré, elle est devenue l'instrument de Lucifer. La diable est aux commandes et ne reculera devant rien. Je vous en conjure, ne lui faites pas de mal. Je ferai ce que vous voulez. Gloire s'approche de lui telle une tigresse et le flatte de sa main. Brave mortel, tu seras un bon serviteur, mortel. Trouve-moi, et vite. Par où commencer ? Vous ne savez pas où vous êtes, mais que voyez-vous ? Qu'entendez-vous ? Je suis enfermé dans un cube blanc de 10 pas sur 10. Ma cellule est totalement vide. Tout y est lisse. Il n'y a pas d'angle. Je n'entends aucun son, mais parfois le sol vibre d'un grondement silencieux. Il n'y a pas de porte, pas d'ouverture. Rien. Mais comment mangez-vous ? Ils ne me nourrissent pas. Je n'en ai pas vraiment besoin. Mais depuis quand êtes-vous prisonnière ? Depuis que les mortels ont volé les enfers. Ils nous ont attaqués par surprise avec leurs armes et leurs machines. Qui eût cru que ce cancre-là pouvait s'en prendre à nous ? Il faut dire que nous n'avions pas vraiment le choix. C'était la fin du monde, l'apocalypse. Des cancres là! Mais vous devez bien avoir des gardes, non? Il arrive parfois que l'obscurité totale se fasse et que des machines apparaissent et me torturent. Et ces machines, qu'en savez-vous? Froides et métalliques, sans visage, mais avec de multiples membres, lisses, cliniques, sans odeur, presque silencieuses. Vous n'avez jamais vu un détail qui puisse nous aider? Un logo, une marque, un numéro de série? Une nuit, à la lueur d'un rayon qui me brûlait, j'ai vu la lettre Oméga, suivie de TB303.
Rien d'autre. Oméga Max, encore une fois. Il n'y a plus qu'à trouver si Oméga Max a des robots au TB-303. Qui est-ce Oméga Max? Une entreprise. Il possède l'au-delà. Quelle idée! Dieu et moi sommes les seuls seigneurs de Séan. Je suis désolé, mais Dieu est mort. Et vous êtes prisonnière. Soit. Donc, mortel, tu connais ces marchands? Ils sont célèbres, mais ils gardent tous leurs secrets bien à l'abri. Mais je sais qui peut nous aider. Ça va nous coûter votre iPhone. Tu dois me libérer, quoi qu'il en coûte. Nous devons trouver Adrian Limo, un hacker qui bricole sur les marchés aux voleurs. Nous avons déjà fait appel à lui il y a quelque temps. Oui, ma marionnette s'en souvient. Les gens l'appellent Lamerlock. Oui, c'est lui. Mais vous avez accès aux souvenirs de gloire? À tous. Je sais tout de cet ange. Je sais même qu'elle est lâche. Quoi? Je sais qu'elle a préféré abandonner ses semblables pour se faire passer pour une mortelle. Elle est méprisable. Je l'aime bien. Vous n'avez pas le droit de dire du mal d'elle. Sans elle, sans elle... Calme-toi, mortel. Je sais que vous vous êtes amourachés l'un de l'autre. C'est pathétique. Paul et Lucifer arpentent les rues du Paris des Enfers. Dans un pousse-pousse, ils écument les marchés interlopes où les miséreux font commerce de toutes choses. Tic-tac, tic-tac, le temps tourne, mortel. Nous allons le trouver, j'en suis sûr. Il a une roulotte avec du bordel dessus. Les heures passent, ils arrivent aux puces de Saint-Ouen, un cloître qui monte où les épaves sont en phase terminale. Là-bas, la roulotte bleue. Ils sautent tous deux du pouce-pouce et fendent la foule des déshérités. Ils sont polarisés sur leur objectif. Ils ne voient pas qu'ils ont attiré l'attention d'une bande de gros bras qui s'interpose. Salut les amoureux! Vous vous êtes perdus? On peut vous aider? Écoute, on n'est pas là pour chercher les emmerdes. Si on est sur ton territoire, je serai ravi de payer le passage. Un Omega Coin chacun, pas de problème. La brute se détend. La petite bande se relâche, tout comme la tension. Crève ! Gloire jaillit, et d'une main broie la tête de la brute. Le sang éclabousse à la ronde. Un instant, le temps se fige. Puis les bandits tournent les talons et détalent. La foule s'écarte et détourne le regard. Ici, tous savent que leur meilleure chance de rester en vie est de nier l'évidence. Putain, mais vous êtes dingue! Ces mecs ne faisaient que leur job! T'es cancre-là! Elle s'essuie sur les vêtements du cadavre. En route! C'est moi qui parle. Et on n'écrase plus la tête des gens. Donnez-moi votre iPhone. Paul bidouille le téléphone et le remet à zéro tout en marchant. Ils arrivent devant la roulotte de la Merlock. Bonjour, monsieur Limo. Quoi? Encore vous? Je ne fais plus ça, partez! Paul sort de sa poche lentement l'iPhone tout neuf de Gloire avec un grand sourire. Vraiment? Vous êtes sûr? Il est pas beau mon iPhone? Le hacker fait encore la grimace, mais sa main se tend lentement vers le précieux smartphone. Ses yeux brillent. Vous voulez quoi? Un truc facile. Mais d'où tout ça? Nous voulons retrouver un robot. Un robot? Un robot. Un Oméga TB-303, pour être précis. Nous voulons juste savoir où il se trouve. J'ai pas que ça à foutre. Il tient déjà l'iPhone, mais Paul ne lâche pas encore. S'il vous plaît, monsieur Limo. Ok. Paul lâche l'iPhone et la Merlock l'empoche avidement. Ah, ça va prendre du temps. Je vais avoir plein de bases de données à pénétrer. En plus, toutes les fermes de serveurs Oméga Max sont au paradis. Vous êtes un pro, nous vous faisons confiance. Ok, attendez-moi là-bas, je vous ferai signe. Paul et Gloire s'installent à une buvette délabrée et puante. Ils commandent deux bières pisseuses. Elle est presque imbuvable. Paul n'y touche presque pas. Gloire descend la sienne cul sec et en demande une autre, belote et rebelote. Elle termine même le verre de Paul. Le temps passe et Gloire picole comme un trou.
Elle gueule, elle rote, fracasse les verres au sol. Un vrai démon. À boire ! Paul ne sait plus où se mettre. Heureusement, le hacker lui fait signe depuis sa roulotte couverte d'objets hétéroclites. Alors ? Le TB-303 est un type de robot médical très spécialisé et rare. Il y en a que 7 en tout. Où sont-ils ? À 2 dans une clinique de Lagos, le Lagoon Hospital CKA. Et les 5 autres seraient introuvables. Pour n'importe qui d'autre, mais... Pas pour vous, monsieur Limo. Ah, je connais le nom du lieu où sont les 5 robots, mais je ne sais pas où se trouve cet endroit. Dites toujours. La base Abim Alpha. Vous avez cherché sur le net ? Ouais, je suis pas un amateur. Ouais, certes. Mais avez-vous cherché dans les registres de leur agence de voyage ? Si cette base existe, ils doivent s'y rendre. Il n'y a plus d'agence de voyage. C'est une grosse boîte, ils ont des cartes qui font des déplacements et ont des notes de frais. Certes. Le hacker reprend son ordinateur assemblé de briques et de broc. Il pianote et se concentre. Le temps passe. Paul ne veut pas le déranger. Il est dans la zone. Bingo ! À Lagos, il y a un aéroport privé qui dessert la base IBM Alpha, le Suru Alaba Airport. Seuls les employés d'Omega Max peuvent l'utiliser. Parfait. Merci beaucoup. Gloire flatte la tête de Limo de la main. Tu es un bon cancrelat. La limousine autonome dépose Paul et Gloire dans le quartier de l'aéroport, Suru Alaba. Ici, pas de tarmac de plusieurs kilomètres. Non. Les aéroplanes décollent verticalement presque en silence. Lagos est bien la ville utopique réalisée. L'ancien soldat et l'ange possédé s'installent dans un superbe parc en face de l'entrée. Deux gardiens armés défendent l'entrée devant un portail métallique, visiblement blindé. Il fallait vraiment que vous vidiez le bar de votre jet ? C'est pas pro. Maintenant, il nous faut du calme et de la préparation. Aujourd'hui, nous chronométrons les entrées et les sorties des employés et des gardes. Demain, nous réfléchirons. Demain, mon cul chargé ! Gloire se lève et fonce vers l'entrée avec une sérénité inhumaine. Tel un monstre. Elle bondit sur le premier mec et l'écrase contre le poteau dans une explosion de sang et de viscères. L'autre garde échappe son fusil d'assaut et prend la fuite. Gloire l'attrape et le mord au cou, arrachant sa trachée dans un geyser d'hémoglobine. Hé, hey, mais attends, non, hein ! Gloire enfonce le portail à grands coups d'épaule. Une fois, deux fois. La troisième, il s'effondre. Elle entre. Au moment où il la suit dans l'aéroport, Paul réalise que son enquête commencée par la recherche d'un atout en goguette est partie totalement en vrille. Il comprend alors que pour Gloire, il est prêt à tout. Quoi qu'il en coûte. Petit cancrelat, venez, je vais vous manger. À ses pieds gisent deux gardes démembrés. Gloire ruisselle de sang. À ce stade, tout le monde fuit et se cache. Ils sont tous totalement terrifiés. Ne les tue pas tous. Pourquoi ? Il nous faut un pilote. Les avions volent tout seuls. Elle court et accélère pour s'emparer d'une femme en tailleur soignée. Ce qu'il nous faut, c'est une main bien fraîche. Gloire arrache alors le bras droit de la responsable de Suru Alaba. En un instant, Paul et Gloire sont dans un Gulfstream Vistol, brandé au Mega Max. Avion, nous allons à base Abim Alpha. Gloire appose la main arrachée encore chaude sur le Touch ID de l'avion. Bienvenue à bord de votre jet d'état-major Omega Max. Merci de vous installer confortablement et d'attacher vos ceintures pour le décollage. Vol, c'est ça. Souhaitez-vous procéder à un décollage d'urgence ? Par le hublot, Paul voit les gardes se ressaisir et affluer dans leur direction. Oui, décollage immédiat. L'accélération est fulgurante et plaque Gloire et Paul au sol. La gauche s'éloigne à toute vitesse. Arrivée prévue dans 12h30. La température sur place est de -42 degrés. Le ciel est dégagé. Vous pouvez vous restaurer et vous désaltérer grâce à notre InstaChef à l'arrière de l'appareil. Je vous souhaite un bon vol. Merci de faire appel à moi. Dis-moi, avion, où se trouve la base Abim Alpha ? Chers passagers, j'ai bien peur de ne pas pouvoir répondre. Putain d'IA. Paul s'installe dans un fauteuil de cuir somptueux,
Gloire tape déjà dans le bar. Ça va être long. Retrouvez Paul et Gloire dans Comme une pierre, notre prochain épisode. Et s'il vous plaît, faites tourner, partagez, likez, écrivez-nous de bonnes reviews. Merci et à bientôt. Merci, merci et à bientôt. Et à bientôt. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt.